Le 26 avril prochain, réservé aux premières, deuxièmes, troisièmes catégories de l'Angleterre. C'est pour ce temps-ci que vous prenez une sorte de cure du Fort-Ouest. Merci également de saluer le Philippe Nicolas. À notre saison, le réveil des courants. Voilà, effectivement, un peloton qui continue à redresser la barre. L'écart n'est plus que de 1 minute et 15 secondes. Messieurs, 5 tours pour l'arrivée. Les Vendées, une position pour une chute à la ligne d'arrivée avec un militaire qui est par terre. Ah, c'est mauvais pour les coureurs de l'armée de terre, avec effectivement la chute de Romain Laurent, des Pays de la Loire, un Kevin Le Breton qui est en forme, il a démontré depuis le début de saison, il se lance sous les coureurs de l'armée de terre à la poursuite des deux hommes. Merci. Deux courants viennent de sortir du peloton. Les deux sociétaires de la Soldaten, Camille Guérin, qui avait terminé deuxième au Grand Prix d'Avance, accompagné d'Adrien Lebreux, troisième sur le Tour du Jura. Messieurs, Fossato, dernier grimpeur, trois tours pour l'arrivée. Écart, 37 secondes, avec à nouveau les Vendus qui mettent le surmont, et les comptes également des Loudéaciens. Superbe attaque du Loudéacien maintenant de 10. Voilà, toujours l'écart impossible, très changé, 35 secondes. Temps du tour, 11 minutes et 19 secondes. Oh, l'écart n'est plus que de 18 secondes en faveur des deux autodèses. Et en gros, définitivement remplacé le grimpeur pour le fil de Gigon devant Marc Fournier. Il y a deux points pour Andy avec Élie Gébert qui part à l'attaque maintenant. Deux fois champion de France. On l'avait vu notamment sur l'épreuve de Jugon. Il est compté par les Normands et un peu par les Brestirois. Ah, ça y est, ça y est. La chapeau, ça fait 120 km. Il saute à la barre. Allez, sur un seul homme à l'entame du dernier tour. Dans le tour, 11 minutes et 22 secondes. Il est dedans. Donc les concurrents sont ah ouais, ouais, de marcher. Ah oh, ouais, mais non. Alors attention, attention, ça va aller très très vite. La pédale, mesdames, messieurs, un manche atlantique à la pédale. Les coureurs de Vendée sont au pouvoir pour l'instant. Et Aubervilliers là également. Un superbe pédale. Les Vendées vont-ils s'imposer sur ce circuit? Prenez donc effectivement la vélocité du Vendéen Fabien Grélier, qui avait déjà connu la victoire sur les routes de Vendée. Fabien Grélier, vainqueur à Fougeray, deuxième sur Manche Atlantique l'an dernier, cinquième à Soulan, vient de remporter de haute lutte l'édition 2015. Superbe Fabien Grélier, synonyme de qualité pour les Vendus. Il y a un peu de temps, tu vois. Il y a un peu de temps, tu vois.